Créé le 12 avril 1994, Agétur Togo a fini de prouver quelle est la solution appropriée pour rendre plus actifs les travaux publics. Agétur Togo, c'est l'agence d'exécution des travaux urbains du Togo. C'est une association de type loi 1901 avec une gestion de type privé. Agétur Togo a été créé sur recommandation des institutions de Bretton Woods le 21 avril 1994. Aujourd'hui, riche de sa longue expérience de plus d'une vingtaine d'années en maîtrise d'ouvrages délégués, Agétur Togo polarise toutes les attentions en servant d'instrument privilégié à la fois de l'État togolais, des collectivités locales ou de toute personne physique ou morale pour la mise en œuvre des projets de développement. Partenaire technique de choix, Agétur Togo satisfait avec une grande efficacité les programmes des travaux urbains d'intérêt général dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics. Sa maîtrise est d'autant plus appréciée qu'elle fait la part belle aux petites et moyennes entreprises locales en les faisant exécuter en priorité les 10 travaux urbains d'intérêt général dans l'optique de promouvoir le développement de leurs capacités techniques et de gestion. Faire en sorte que la main-d'œuvre locale de toute qualification gagne en savoir-faire et que les entreprises chargées de la réalisation des chantiers se bonifient en compétitivité. Tel est le credo d'Agétur Togo. L'État, une collectivité locale ou une personne physique ou morale a une commande à passer. Exemple, la construction d'ouvrages d'art, pavage de voies, bitumage de voies, forage à réaliser, bassin d'orage à réaliser. Les principaux atouts de l'agence, c'est de procéder à la passation des marchés de façon transparente, de façon équitable, en réalisant des économies et suivant des procédures de passation des marchés exigées par les partenaires techniques et financiers. C'est ainsi qu'à travers sa formule dénommée Travaux urbains à haute intensité de main-d'œuvre, TUIMO, l'agence a déjà beaucoup contribué à l'atténuation du chômage en milieu urbain et à la réduction de la pauvreté, avec plus de 100 projets réalisés dans les domaines des infrastructures, l'environnement, l'assainissement, l'impact d'Agétur sur le quotidien des Togolais plus que manifeste, de par ses résultats économiquement et socialement utiles, de quoi ravir de nombreux partenaires financiers qui n'ont de cesse de renouveler constamment leur confiance. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Banque mondiale, dans le cadre du PURIS, que nous sommes entrés pour le 30 juin. Nous travaillons également avec la commission de l'UMOA. Nous avons 7 projets avec la commission. Nous travaillons pour la Banque islamique de développement, le domaine de l'éducation. Nous avons travaillé avec la BOAD, la Banque ouest africaine de développement. Nous venons de terminer un projet financé par la KfW, la Banque allemande de coopération. Petit complément que nous venons d'ailleurs d'inaugurer en présence du ministre allemand de la coopération et naturellement avec l'État congolais et des personnes privées. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous avons réalisé plus de 500 forages à travers le pays, donc le boulevard de la Cara dont je viens de vous parler, ainsi que l'assainissement et le bitumage des voies de la zone sud de la lagunaire de Lomé. La construction de plus de 500 écoles à travers le pays ainsi que des centres de santé. Et nous pouvons aussi également parler de la protection des berges à Nero au niveau de la mairie et au niveau de Goubou-Copé avec un système d'enrochement pour éviter l'avancée de la mer. Agétur Togo donc, a contribué à créer près de 150 000 emplois et en mobilisant près de 140 milliards de francs CFA. Agétur Togo, c'est surtout un dynamisme de suivi de proximité qui garantit une qualité certaine aux ouvrages, aussi bien pour les voiries à réhabiliter, le pavage, les travaux urbains d'intérêt général dans le domaine du génie civil, du bâtiment et des travaux publics. L'Agétur a fait sienne les notions d'indépendance, d'impartialité, d'efficacité de rigueur et de performance.